Salut à tous et bienvenue pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps, je suis désolé, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Et bon, évidemment, comme vous savez, c'est pas mon métier. Donc je suis avec Bruno. Salut, enchanté. Que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne d'Alex avec une Seat Leon Cupra, parce que c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Seat Leon Cupra 5F. Alors dis-moi Bruno, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Quand est-ce que tu l'as eu? Qu'est-ce que tu as fait dessus, etc. Ok, bah écoute, donc moi je l'ai acheté neuve fin septembre 2019. D'accord. C'est une version performance, donc c'était une série entre parenthèses limitée où la configuration, la seule option que tu pouvais avoir, c'était le toit ouvrant et puis après le choix des coloris, t'avais quatre coloris. Ce qu'elle a de bien, c'est que deux séries, du coup elle était bien équipée, elle avait les sièges baquets, elle avait le kit aéro au niveau latéral et elle avait les freins de RS3, bon, alors qu'ils sont très décriés. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de voile. Moi, j'ai fait du circuit avec, comme on le verra par la suite. Ils ont même déjà pris feu à Spa. Écoute, ils sont toujours pas voilés. Donc, voilà, c'est chacun et sa chance, quoi. Ok. Alors, toi, tu y vas. Donc, elle est de 2019. Ouais. Ok, d'accord. Donc, c'était les derniers modèles quasiment avant. Ouais, avant qu'ils l'arrêtent et que la nouvelle, elle sorte. Ouais, chez Cupra, du coup. Parce exactement. Que là, on est encore chez Seat et puis après, ils ont c'est fait ça. Cupra. Exactement. Tu as fait donc une petite prépa, déjà un peu châssis. Ouais. Donc j'ai vu donc des disques sur bol. C'est ça. Donc ok, c'est du Zimmerman, tu m'as dit. Donc, percé. J'ai changé les disques d'origine. Je suis passé en Zimmerman pour pas abîmer ceux d'origine qui coûtent une blinde. D'accord. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai au niveau des modifications, j'ai changé les Durit. Je suis passé en Durit Aviation. J'ai mis des flasques de RS3 et des grilles de RS3 pour améliorer l'aération, parce que c'est un peu le point faible quand même de ces freins, que t'es les freins monopiston ou ceux de RS3. Le problème, c'est que ça chauffe dans tous les cas. Okay. Et je pense qu'en fait, le fait que ça chauffe, ça doit être lié soit à l'antipatinage, soit à l'autobloquant, qui doit rester même quand tu roules full déconnecté. À mon avis, il reste toujours un temps soit peu connecté, parce qu'il n'y a que ça comme explication pour qu'il chauffe autant. La dernière fois, là, quand je suis allé au Mans, mais j'avais des amis, ils me disaient que même dans la ligne droite, mes disques étaient toujours rouges. Je veux dire, donc il y a un vrai problème. Si même en pleine accélération, tu as les disques qui sont toujours rouges, ça prouve qu'il y a un problème de refroidissement quelque part. D'accord. Alors que j'avais, j'ai fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Je roule avec des DS Uno. Bon, là, je suis en plaquette de route pour la route, c'est des TRW. Okay. Et heureusement que j'avais mis du RBF 700, parce que sinon avec du liquide d'origine du 4.0, du DOT.4, j'aurais pas fait long feu, non, c'est clair. Okay. Niveau suspension, ça a été rabaissé? En termes châssis, j'ai commencé par mettre des barres anti-roulis majorées HR. Okay. Donc tu as deux modèles, la différence entre les deux, c'est le diamètre des barres anti-roulis. Moi j'ai pris les plus grosses, de mémoire, ça doit être du 28 mm à l'avant et du 26 à l'arrière. Okay. Et puis après tu as deux crans de position à l'avant, moi j'ai mis au plus dur. Donc j'ai commencé par ça, mais en gardant les suspensions d'origine classiques. Okay. Tu voyais une vraie amélioration au niveau du roulis. Par contre la voiture, du coup, sur les transferts de charge, elle avait une tendance à flotter, parce que là elle n'était pas tenue par les barres anti-roulis sur les transferts de charge, et tu avais toujours la souplesse des suspensions d'origine. Ça manquait de rigidité. Voilà. Quoi. Du coup je suis passé après sur des KW Club Sport V2. Okay. Vu que je voulais utiliser sur piste, je voulais avoir un peu le top. Bon, les V3 c'était 1 500 € de plus, donc j'ai écarté. Et puis de toute façon, j'ai pas les compétences pour régler et exploiter pleinement le potentiel de V3. Déjà, ça suffit. Même ceux-là, je suis content, mais franchement, je pense que j'aurais eu des versions classiques, ça aurait été bon. Et là, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, notamment pourquoi? Parce que tu peux régler le carrossage à l'avant. Okay. Tu as des coupelles de carrossage qui te sont. De l'angle un petit peu. Ouais, et d'origine. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que le degré de carrossage, ça doit être du 1 degré ou dans ces eaux-là. Okay. Là, je suis à 2,5 degrés. Le ressenti au niveau de la direction n'a absolument plus rien à voir. Et c'est un vrai plaisir quand tu engages la voiture en virage, tu as l'impression qu'elle ne va jamais décrocher, la voiture. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour la rendre vraiment un peu plus pistarde. Ouais, mais en tout cas, moi, ce que je conseille aux personnes qui voudraient améliorer la partie châssis, c'est de d'abord changer les suspensions et ensuite les barres anti-roulis, plutôt que de faire les choses dans le sens inverse comme je l'ai fait. Voilà. D'accord. Et en termes de budget, du coup, parce que donc, tu l'as eu neuf, tu m'as dit. Ouais, tout à fait. C'était donc en 2019. C'est ça. Ça t'a coûté combien? Parce que c'est dans les 30 000 et quelques, hors malus, c'est ça? Ouais. Hors malus, c'était dans les 30 000 euros. En fait, le prix de base, le prix catalogue, c'était, on était de mémoire dans les 41 500.
Et bon, après, il y avait des remises assez conséquentes et tu finissais dans les un peu plus de 30 000 euros en neuf hors malus. Et le malus, c'était 1500 et la carte grise, ça devait être genre 400 euros. Donc, tu arrivais à. Il fallait rajouter 2 000 euros au bout quoi, pour les matriculer. En tout cas, ça reste beaucoup moins cher que ce qu'on a de nos jours. Ah ouais, ah, je l'ai acheté au bon moment. Quoi. Incroyable. Parce que sinon, tu es à 50 000 hein, maintenant. Mais quand tu vois, en neuf, mais quand tu vois aujourd'hui des personnes qui les revendent avec des 50, 60 000 km. Ouais. Il les affiche quasiment au prix auquel je l'ai eu neuve. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais ça, de toute façon, les sportives, avec ce qui se passe, ouais, non, c'est juste, j'ai envie de dire, c'est affligeant. Ouais. C'est moi, affligeant ce qui se passe. Moi, j'avais hésité entre ça et une Mégane 4 RS ouais, Trophy. J'allais te demander. Ouais. Je préférais la Mégane 4 Trophy, franchement, au niveau look, design. Tout était mieux. Mais gros problème, le malus. C'était, je ne sais plus, 7 ou 8 000 euros, donc c'était rédhibitoire. C'est n'importe quoi. Et le potentiel du moteur, le 1.8 TCE, malheureusement, il est à des années-lumière du 2.8 TSI. Parce que toi, c'est pas juste le châssis, voilà, parce que tu as fait une prépa aussi moteur. C'est ça. Donc, ouais. Et c'est vrai que le 2.8 TSI, enfin TFSI, ça dépend si c'est Audi ou bref, ouais, il fait des merveilles. C'est vraiment un truc ultra performant et facile à monter en puissance. Donc, tu as fait une reprog. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Alors, j'ai commencé, comme tout le monde, par faire une reprog stage 1 et je l'avais faite en flex fuel pour tourner à l'éthanol parce que c'est un moteur qui accepte parfaitement l'éthanol. Ouais. Donc, j'ai commencé par ça. Elle sortait 365 chevaux et 520 newtons. Franchement, elle avait le démon, la caisse. Tu m'étonnes. Et puis après, petit à petit, j'ai rajouté des pièces. Donc, je suis passé à la R600, admission R600, inlet-outlet. Ensuite, j'ai mis un 4-back pour qu'elle chante un peu plus. J'ai mis un 4-back Cobra en 76 mm. Et puis après la dernière étape, je suis passé sur un kit Autotech pour que la pompe HP elle puisse débiter plus parce que c'était la première limite. Si tu voulais sortir plus de chevaux, c'était la pompe HP. Donc j'ai fait ça. Je suis passé à 391 chevaux et 535 Nm. Ok. Et puis là dernièrement je suis passé en stage 2, donc j'ai rajouté intercooler, j'ai mis du Racing Line, je suis passé sur un downpipe Miltech en 200 cellules de chez AJS. Pour passer au contrôle technique ou... Ouais c'est pour ça, et puis aussi pour une notion de bruit, comme c'est une voiture que j'utilise principalement quand même sur la route, je voulais pas qu'elle me casse la tête. Non bien sûr, non mais t'as raison. Et puis après la pompe basse pression, et voilà, donc là j'avais la totale pour le stage 2, et donc là je suis en multimap. La plus grosse carto, elle sort 424 chevaux et 604 Nm de couple. Voilà. Pour un stage 2, c'est juste énorme, hein. Le gain que tu as. Ouais, alors après, en vrai, sur la route, parce que j'ai fait des tests, il y en a que ça intéresse, j'ai fait une vidéo, ça s'appelle un truc genre vlog Seat Leon Cupra stage 2, 85 PSK Performance et de Motorsport, je crois que c'était ça le titre. Ouais. Pour la trouver, où j'explique, bon, elle est assez longue la vidéo, mais au moins j'ai t'expliques tout. Ouais, j'explique tout. Sur, est-ce qu'il y a mettrai le lien dans la description. Sur le bénéfice et l'intérêt de passer d'un stage 1 à un stage 2, moi, ma conclusion en résumé, sur une traction, autant rester sur un stage 1. Ouais, parce que tu patines tout le temps. Bah, c'est ça, en fait, jusqu'à 200, la différence, elle va être vraiment minime. Ouais. Et il n'y a que… Sur circuit. Ou en Allemagne, quoi. en Allemagne. Voire sur circuit allemand, potentiellement. mais c'est vrai que passer 200, en fait, on sent la différence, il n'y a pas débat. Mais avant, le vrai problème, c'est la motricité sur une deux-roues-motrice. Donc, si vous avez une quadromotrice, genre Golf 7R, Audi S3. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, je pense que là, ça peut avoir du sens. À plus de 400 chevaux, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais sur une traction, bon, je l'ai fait, je suis content, je ne regrette pas. Ouais. Mais si c'était à refaire, je me poserais la question, franchement. D'accord. Voilà. Ouais, effectivement. Et, on apprend de ses expériences. Bien sûr, il faut toujours faire des choses pour pouvoir comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Ouais. Ok, c'est top. Et alors. En termes de, comment dire, ce que le design, tu me disais, tu préférais effectivement la Mégane pour son design. Mais sinon, bon, après, ça reste une belle voiture. Moi, j'en ai une que je trouvais belle. Franchement, bon, c'est une 1.8 180 chevaux avec le pack aéro. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'ils ne l'ont pas proposé pour la Seat Leon, la Cupra, pardon, excuse-moi. Et je trouve ça dommage parce que, par exemple, bon, à l'avant encore, ça ne se voit pas trop. Mais à l'arrière, c'est vrai que l'arrière, je le préférais. Enfin, d'ailleurs, on va aller voir l'arrière. Je préférais l'arrière de la mienne par rapport à une Cupra. Ouais, t'avais le kit aéro, toi. Voilà, moi j'ai le kit aéro. Moi, je me posais la question, je me dis, mais en fait, est-ce que je vais me prendre une Cupra après la Seat Leon FR. Et au final, je me suis dit, ouais, mais alors, niveau look, j'étais pas plus emballé que ça. Je la trouve belle, tu vois. Parce que, on dirait une Teddy 110, je suis d'accord. T'as quand même un diffuseur à l'arrière avec deux sorties ovales. Mais je trouve que le. C'est moins bien intégré que le pack aéro. Non, mais elle est discrète à fond. Franchement, quelqu'un qui ne sait pas,
quelqu'un qui ne sait pas, il la voit, il ne se dit pas que c'est une version sportive. Malgré le fait que là encore, il faut voir, le fait qu'elle soit rabaissée et j'ai des cales en 12 mm qui fait que ça remplit quand même plus les ailes, ça la rend plus agressive. Parce que c'est vrai que d'origine, franchement, bon, après du coup, l'avantage, on ne t'arrête jamais. Je veux dire, les flics, ils la voient passer, ils ne disent rien, ils ne se disent pas qu'elle est méchante. Ouais. C'est pas comme ce truc bleu là. Ouais, voilà. Alors oui, du coup, en termes de performance, quand même, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais. Ils sont à 200. Exactement. Donc, ça, quand ça accroche. Est-ce que tu as fait un draghi? Oui, quand ça accroche. Est-ce que tu as fait un draghi ou quelque chose comme ouais, ça? Ouais, 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 tout à fait. Bon, alors j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de partir en 4, de partir en 3, avec l'antipatinage, sans l'antipatinage. La conclusion, c'est que mon meilleur chrono, c'est avec l'antipatinage déconnecté en niveau 1. Ouais. Et en départ en 3, j'ai fait 8 secondes tout rond. Voilà. 8 secondes tout rond, moi, c'est déjà excellent. Hein. Mm. C'est franchement excellent. Il y a quelqu'un, il s'appelle, je crois, c'est Anto CS45 ou quelque chose comme ça. Il a une Golf TCR en stage 2 qui sort 410 chevaux et je crois 560 Nm ou quelque chose comme ça. Et lui, il a l'arrière qui est vidé et il roule en Michelin Pilot Sport Cup 2 et il me disait qu'il sortait 7-7 au draghi au 100-200. Hein, ouais. Parce que lui, il patinait beaucoup moins. Quoi. Ok, c'est des chiffres très impressionnants. Quoi. Alors c'est vrai que bon là, tu vois, je remarque quand même bon, juste un truc. Ouais. Ça va être ça. Ça a été changé clairement. Ouais, la durée de silicone, ouais. Mais sinon, pour le reste, je vois rien. En fait, ce qui est bien avec la R600, t'as l'impression que vraiment c'est le même format que celle d'origine. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai enlevé ici normalement, t'as le logo Volkswagen Racing, etc. Moi, je l'ai pas mis pour rester le plus discret possible. Ouais. J'ai remarqué alors le petit détail. Cette durite-là, elle est un peu, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais, ouais, ça va être dur, mais on va elle est un peu marquée à force de frotter ici. Ouais, elle frottait. Ah oui, je vois ça. Ouais. Donc j'ai mis un rislant, ouais. Voilà, je le conseille à tout le monde, mettez attaché là avec un rislant pour pas que, avec la chaleur, à force de frotter, ça finisse par l'abîmer. Mais sinon, tu as la downpipe ici, donc tu as le catasport ici, et tout le reste, tu peux rien voir, tout est d'origine. Caché, quoi. Ouais. C'est d'origine. Ok, avec le petit logo Cupra, c'est vrai que ça reste très discret comme. Ouais, comme moteur. Quoi. Donc c'est vrai que bon, tu vois, là on a un compteur totalement digital. C'est vrai que ils sont vraiment montés en gamme Seat avec la 5F. Ouais, c'est bon, quand ils ont fait le facelift, ils ont fait un gros effort sur la finition. Parce que pour en avoir une, honnêtement, c'est vrai que c'est. Tu sens que tu es dans un truc un peu premium, quoi. Mmh. Bah, pour avoir fait plusieurs marques, j'ai commencé par Fiat, j'ai été chez Ford, j'ai été chez Toyota, j'ai été chez Seat. Bah, pour le moment, c'est la Seat clairement qui était le mieux placé en termes de qualité intérieure. Même au niveau des Komodo, tout ça, tu sens qu'il y a vraiment une meilleure qualité. Après, ceci étant dit, tu vois, il y a quand même des petits reproches à faire. Ouais. Par exemple, je ne sais pas si tu feras un zoom tout à l'heure sur le pommeau de levier de vitesse, alors que tu as vu, il s'abîme. En fait, c'est une imitation de cuir, c'est du plastique. Ah, et le grain, il s'abîme. Alors que je suis quelqu'un qui ne sue même pas des mains, tu vois. Donc, on ne peut même pas dire que c'est la sueur de mes mains qui l'abîme, qui l'agresse. Sinon, tu aurais le volant qui serait marqué. Surtout que j'ai envie de te dire, c'est une boîte automatique, donc tu touches rarement. Donc je trouve ça incroyable. Pareil, les jantes, je les ai fait changer à l'arrière. J'avais le vernis qui cloquait alors que je les nettoie à la main. La voiture, je la passe pas au jet d'eau, pas au Karcher ni au rouleau. Donc je me dis attends, qu'est-ce qu'il faut faire et puis aussi, elle grince un peu de partout. Alors surtout depuis que j'ai mis les KW, forcément ça rigidifie tout. Ça rigidifie tout, donc tu vas plus entendre ce genre de choses. Quand tu passes sur une route un peu dégradée. Alors ce que j'ai fait, c'est que tu peux mettre de la graisse siliconée sur tous les joints de portière, donc ça atténue énormément. Hein. D'accord. Mais j'ai toujours un grincement à l'arrière droit et en fait, il faudra que je fasse monter quelqu'un avec moi pour réussir à identifier quel est le plastique incriminé sur lequel il faudra que je mette un coup de graisse siliconée. Ça marche. Ok, écoute, moi je te propose qu'on aille faire un tour. Ouais, écoute, vas-y, c'est parti. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, je suis au volant de la Leon Cupra. Écoute, on va y aller. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une automatique. Ah oui, c'est vrai que tu as un frein. Alors oui,
Chose à préciser, frein à main. Attends, alors comment on l'enlève si on... Ouais, on appuie comme ça. Ouais. Bon, en fait, il s'enlève tout seul hein, automatiquement, mais. Que t'avais fait un passage au banc, donc stock. Ouais, elle avait sorti 300 chevaux et. 300 chevaux, ouais. Donc 10 de plus que. Et genre 400 newtons, un truc comme ça, ouais. 400 newton-mètres. Au lieu de quoi, c'était 370 380 ils annonçaient, 380 de mémoire, hein, et 290 chevaux. Donc là, on est en mode Cupra, du coup, t'as les haut-parleurs qui amplifient le son. Ouais, regarde, si je te la mets en mode individuel et que t'accélères un peu, tu vas voir, elle fait plus le même bruit. T'as vu? Ah, ça a plus rien à voir. Ouais, c'est beaucoup. Alors, elle est beaucoup plus douce que le que l'ancienne boîte DG6, la DQ250. Ouais. Par contre, ce qu'on lui reproche, c'est que notamment sur le premier et deuxième rapport, en fait, elle cire, elle patine un peu comme une boîte à convertisseur. Ah oui. Et c'est pas super agréable, je dois avouer. Mais par contre, bon, ce que je fais du coup, c'est quand je démarre, notamment en montée, je la passe en mode manuel pour qu'elle bloque sur le premier rapport et qu'elle passe pas direct la deuxième en le faisant cirer. Sinon, ça me fait mal pour elle. En termes de garde au sol, parce que ça aussi, bon, parce qu'elle a été un peu rabaissée grâce aux suspensions. Ouais. Ça frotte jamais à l'avant. Non, en fait, bon, moi j'ai rajouté une lame rigier dessus. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est en termes. Donc, tu as une amplitude hein, quand tu installes les KW, je les ai mis au milieu à l'avant. Et ouais. Par contre, à l'arrière, je les ai mis au plus haut pour avoir une assiette qui soit parfaitement plane. Parce que sinon, tu avais l'arrière qui visuellement était plus bas que l'avant. Ah, effectivement, c'est bizarre. Alors que d'origine, c'est l'inverse. D'origine, c'est l'arrière qui est plus haut que l'avant. Donc, je voulais garder une assiette qui soit. Au plus proche conforme de ce qu'on a à l'origine. Et non, ça va, franchement, je frotte jamais en vrai. T'as juste, si tu passes un peu fort sur des ralentisseurs, l'avant qui va pomper et stasser, et du coup, là, avec les cales, les pneus ils vont très légèrement frotter contre les ailes, mais faut vraiment qu'elle pompe, qu'elle se tasse. Hein. En tout cas, en ville, elle est très civilisée, je trouve. Ouais. Non, alors le seul reproche qu'on peut faire quand même, c'est que je trouve qu'elle consomme beaucoup, notamment à l'éthanol. Ouais. Bah regarde là, la consomme. Oui, l'éthanol, ouais, effectivement. Ah oui, t'as une grosse. Ah oui, mais tu l'as remis à zéro il y a pas longtemps là, non? Je pense qu'il s'est remis à zéro quand on l'a démarré tout à l'heure, ou alors sinon, bah, il s'est remis à zéro de quand je suis parti ce matin. Mais... Il y a 21 litres. Hein. Ouais. Non, franchement. Mais sinon, en vrai, en moyenne, ouais, effectivement, t'es à combien sinon en conduite, on va dire ben, plutôt normal et tu mets un coup de temps. Ouais, t'es plus dans les 12-14 litres. Hein, 14 litres ouais, à l'éthanol. Après, bon, tu peux faire. Si tu la prends, elle est chaude, tu fais un long trajet et tu roules en mode éco, ouais. Tu peux faire du 9-10 litres, c'est possible. Hein. Okay. Mais okay. C'est un peu, ça relève un peu du domaine de record. Alors après, ce qu'on peut dire au niveau du moteur, là, entre les versions fapées et non fapées en termes d'évolution, t'as plus la bi-injection sur les versions avec. FAP comme j'ai, ouais. Donc t'en as qui disent oui, mais du coup tu sors moins de chevaux. Bon, bah là, c'est en tout cas, j'ai prouvé que sur un stage de l'éthanol, en fait, c'est pas le cas, c'est pas limitatif. Peut-être que si tu passes sur un stage 3 et que tu veux commencer à aller chercher les 500 chevaux à l'éthanol, là tu seras obligé de rajouter la bi-injection parce que tu es limité au niveau de la capacité des injecteurs. Ouais. Mais en tout cas, en stage 2, elles sortent au moins autant de chevaux que les versions bi-injection, voire un peu plus. Et donc, je le précise pour mettre un peu une fin à ces polémiques et qu'on peut lire sur... Mais tu sais, mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler, hein, pas qu'en France, même Car Wow, de la chaîne Car Wow, ouais. avec Matt Watson, ils avaient fait un test entre deux Audi RS3. Ouais, oui, je me souviens, je l'avais vu. Ouais. Et au final, il n'y a pas de différence de performance notoire. Quoi. C'est, franchement, elles étaient quasiment pareilles, hein, les deux. Sur une piste sèche, je dis pas, avec des semi-slick, ça va être nickel. Mais là, bah oui, non, mais sur une route par moins 2 degrés, comme ça, ça sert à rien. Tu peux rien faire. Ouais, c'est d'accord. C'est effrayant, quoi. Oh la vache.
vitesse. On a pris les 90 là. Ouais. Je pense en 2-2 les 90. Ah oui, les 90 km/h ont été atteints très rapidement. Sujet intéressant en termes de fiabilité. Ouais. A priori, t'as pas de problème. Moi, j'ai pas eu de soucis, non. T'as eu aucun souci. Rien. Que dalle. 2019, donc ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans, 47 000 km, vraiment rien à signaler. Aucun problème. Ouais. J'ai changé les bougies bobines et voilà, j'ai mis un grade, j'ai mis des bougies de RS7, là c'est les NGK 91006. Okay. Et bobines, j'ai mis des bobines, je sais plus ce que j'ai mis comme bobine. Mais vraiment aucun. Ouais, c'est aussi ça qui me plaît, c'est elle a une très bonne réputation en termes de fiabilité. Ouais. Les points faibles, c'est la pompe à eau. Il y avait la pompe à eau, il y avait les injecteurs, il devait y avoir un troisième truc de mémoire. Ah oui, le turbo, voilà, sur certaines générations. Les premières, les 280, apparemment le turbo était fragile. D'accord. Mais bon, là, sur cette évolution, normalement, tu n'as plus trop de problèmes de fiabilité. En tout cas, moi, je touche du bois, j'y mets rien arrivé. Hein. Bon, ben bah voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, franchement, surpris. Enfin, je m'y attendais un peu, mais quand même surpris de la puissance de cette Leon. Parce que, bon, plus de 400 chevaux sur le train avant, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et de un peu de difficile à d'appréhender quand on connaît pas. C'est la première fois que j'essaie une traction de plus de 400 chevaux. Donc très 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 sympa. Après ça reste une voiture polyvalente. Donc non mais super voiture, agréablement surpris. Et puis, j'espère qu'on se reverra sur circuit notamment. Hein. Ouais, bah écoute, avec plaisir, hein, dès que tu retrouves du budget pour faire rouler la Focus. Ouais, j'en ai du budget, c'est pas le problème. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Ciao.